راه تمرضي وي سيست مرضي ومسخر في اللون ولاد بلادي وبنات بلادي. مسخر عليكم مسخر عليكم. Je vais parler du projet de révision de la Constitution qui est programmé pour le 1er novembre. Je m'excuse, je dois parler en français là. Donc, mais avant de commencer de parler de ce chiffon qu'ils appellent la Constitution, je m'adresse d'abord à M. Abdelmajid Tebboune. M. Tebboune, je vous demande humblement et patriotiquement de retirer ce texte. Je vous demande humblement et patriotiquement d'ordonner le retrait pur et simple de ce texte du marché politique et politicien de l'Algérie. Ça, c'est la première demande. Ma deuxième demande, je vous demande de réinstaller les subventions pour le blé. Troisièmement, je vous demande d'ordonner à ce que la santé demeure gratuite en attendant de régler définitivement ce problème de mes compatriotes algériens. Voilà. Vous êtes en train de conduire l'Algérie à la guerre. Guerra. Hier soir et ce matin, des informations sont tombées. Et la dernière information que j'ai lue et qui m'a choqué, c'est la présence des forces spéciales des États-Unis d'Amérique dans le désert algérien. Dans cette première partie, je vais m'abstenir de parler de l'intervention de l'armée à l'étranger que je vais traiter dans 5 à 6 jours par une intervention orale, verbale. Je vais essayer d'être très simple dans mes explications pour la rendre accessible. Mais dans cette première partie, je vais parler du texte, en bref, du texte qui sera soumis le 1er novembre 2020 à l'approbation du peuple algérien, de mes compatriotes algériens. Donc, la première des choses, la première supplication, je demande à mes compatriotes algériens de demeurer pacifiques. Probablement que dans une intervention qui suivra, je vais citer Kharata, le cas typique de Kharata dans la région de Béjaïa, entre Béjaïa et Séti. Mes premiers mots au sujet de la Constitution. J'ai signé un papier, ça fait, on va dire, 2 semaines exactement, le 23 septembre 2020, c'est Algérie révision de la Constitution ou la patrie au pied du président de la France. Dans la première partie, j'ai traité du droit de la propriété et du crime en dépossession. Je répète, le crime en dépossession. Un de mes amis, et je vous donne son nom, Ahmed Qassi, actuellement installé à l'étranger, en Algérie, quand nous étions en Algérie, il était journaliste, a signé l'un des éditoriaux les plus inoubliables. C'était en 2001 ou 2002, la Bluette. Il m'a reproché la complexité de mes textes. C'est un conseil que j'ai... il m'a conseillé, bien sûr, de faire plus simple. C'est un conseil que j'ai pris en considération, bien sûr. Mais il m'est impossible d'écrire avec de la phraséologie verbeuse, creuse, sur la situation de notre pays qui était très complexe auparavant et qui est devenue encore plus compliquée maintenant. Premier mot. Si l'état-major de l'armée durant les années 90 et les gouverneurs de la Banque d'Algérie. Je répète, hein, ça n'a rien à voir avec, probablement avec ce qui se dit dans en mainstream. Hein. Si les généraux des années 90 et les gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ont conduit l'Algérie vers une guerre civile atroce,
les généraux actuels et les gouverneurs de la Banque d'Algérie actuelle de 2020 sont en train de la mener vers une guerre. Il y aura, dans cette guerre, il y aura un aspect international, c'est-à-dire un conflit internationalisé, et dans l'autre aspect, sera composé de troubles internes violents. C'est depuis 2014 que j'appelle à la paix. Maintenant, je vais continuer à appeler à la paix et je supplie mes compatriotes algériens de demeurer pacifiques et de contenir la violence qui s'en vient là. Elle vient, elle sera noire. Oui, j'ai fait des actions en situation d'asymétrie de l'information avec d'autres acteurs étrangers à l'Algérie. Parce que la pratique de l'asymétrie de l'information avec la présidence de la République et les généraux algériens n'a donné absolument rien. Donc j'ai opté pour l'asymétrie de l'information. Dans la deuxième partie dans laquelle je vais parler de la participation de l'Algérie dans les conflits externes à l'Algérie, c'est-à-dire l'intervention de l'armée algérienne, je vais parler de la dernière information qui m'a choqué ce matin. C'est la présence des forces spéciales américaines, de Navy SEALs, de Marines et du groupe numéro 6. Des forces spéciales américaines. Cette information sur le groupe numéro 6 des forces spéciales américaines, si elle se confirme, pour les Navy SEALs et les Marines, c'est certain. Maintenant, pour le groupe 6, c'est un groupe, c'est le top du top du top des forces spéciales américaines. S'il est réellement dans le désert algérien, cela confirme que l'Algérie est en guerre. Bon. Donc, la paix, la paix, la paix. Monsieur, une autre fois, Monsieur Abdelmajid Tebboune, je vous demande solennellement, humblement et patriotiquement de retirer carrément ce texte. Et de ne pas, et d'éviter d'insulter l'Algérie un 1er novembre, le jour du déclenchement de sa guerre de la libération d'une révolution universelle. Les années 90, quand Hossein Aït Ahmed est rentré en Algérie, sans Alim Sili, qui a été assassiné en 1987, ils ont introduit le concept du droit d'avoir du droit. Le droit. Le droit d'avoir le droit. Actuellement, ce droit d'avoir le droit, qu'on appelle en anglais the right to have rights, est absent de ce chiffon qu'ils appellent la Constitution. Et je vais le démonter maintenant. Tabson. Ça, c'est la première. Deuxième. Quand Hossein Aït Ahmed et Alim Sili ont introduit les droits de l'homme en Algérie, grâce à eux, qui ont été pervertis depuis, la première remarque sur la constitution algérienne, c'est... Je dois me retrouver dans toutes mes notes. Il y a un article qui parle des... Il y a un article qui a parlé de l'institution du Conseil des droits de l'homme en Algérie. Un article de ce chiffon qui propose à la Constitution... est titré Conseil des droits de l'homme. Donc, quand on lit un peu plus loin la Constitution, on trouve l'expression des droits de l'homme et du citoyen. Cette expression, sans faire de procès d'attention à quiconque, m'a dérangé énormément. Parce que c'est la France qui a appelé, qui a lancé, qui a mis en œuvre, qui a implémenté
ce qu'ils appellent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inspirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est à la France. En Algérie, cette expression revient. Je m'interdis de faire des procès d'intention. Mais appeler un article le Conseil des droits de l'homme et parler plus loin des droits de l'homme et du citoyen, je suis mal à l'aise avec cette formulation. Même si je peux dire que je confirme que la Constitution n'a rien à voir. La Constitution, ce chiffon qu'il propose comme Constitution, est bien d'inspiration étrangère. Dans un autre article de la Constitution, dans le préambule du chiffon, dans le préambule, il est écrit: en approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations politiques sociales profondes, le peuple entend consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. L'expression « en approuvant cette constitution, œuvre de son propre génie ». Donc cette constitution doit être retirée. Parce que c'est un mensonge. Dans le préambule de la constitution, il y a un mensonge. Œuvre, en approuvant, œuvre de son propre génie, reflet de sa aspiration, fruit de cette détermination et produit de sa mutation, le peuple entend. Est-ce que cette constitution émane du peuple? Non. Donc, ils ont commencé la constitution par un mensonge. Donc, elle doit être retirée parce que c'est un mensonge. Dans le Dans la Constitution, la mesure est demeurée avec son même statut. Maintenant, si à mes compatriotes d'Algérie, puisque les autorisations de tenir des meetings, de conférences, etc., ont été accordées, il y a plus de liberté pour ça, si vous entendez un Algérien, une Algérienne, parler de la mesure dans le cadre de ce chiffon, posez-lui deux questions très simples. Est-ce que l'article 3 de ce chiffon de constitution reflète bien la vérité anthropologique de l'Algérie, avec surtout des mesures demeure langue officielle? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il reflète l'anthropologie de la nation algérienne? La deuxième question que vous allez lui poser, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Depuis 2014, que cette question demeure posée, à ce jour, aucun Algérien n'a osé l'attaquer de front. Ça, c'est pour la majorité. Et j'espère qu'ils éviteront de parler de Tamazir et de la majorité, comme ça, au moins, ces deux cardinalités de la nation algérienne demeureront en dehors de cette supercherie, de cette escroquerie, de cette arnaque. Ah, c'est là. L'autre question. Je vous parle de Cornwall Sedanachar. Hein. Maintenant, j'éviterai les manipulations assez complexes de certains concepts. Je vais parler simplement. Faut-il voter, s'abstenir, s'opposer ou boycotter? De l'étranger, je m'interdis d'appeler au boycott. Je dois appeler à voter. Je dois aussi dire que s'opposer est une solution. S'abstenir est une solution, mais non efficace. Le premier à avoir introduit le concept de boycott des élections, c'est Hussein. Il l'a introduit une et une seule fois et il s'est arrêté. Pour
pourquoi il s'est arrêté. Dis-moi. Hussein se repose. Je vais le laisser dans ce repos. En Algérie et dans tous les pays sous-développés, boycotter fait partie du droit d'avoir des droits. Maintenant, pour que boycotter devienne un droit, il faut qu'il soit codifié dans la Constitution. Et il n'est pas présent. La codification du boycott est inexistante dans la Constitution. En d'autres termes, les voix qui pourraient dire, ou bien qui pourraient s'apparenter, ou bien qui pourraient être mises dans le panier du boycott, sont impossibles à compter. Quand il est impossible de compter des voix, il est impossible de compter une force. En parlant de force, et en citant en français Alvaro Sansini, qui a parlé plus en anglais, il a posé la question, la nation est-elle un ensemble d'individus ou bien une somme d'individus? Entre un ensemble d'individus et un ensemble d'individus. Actuellement en Algérie, c'est un ensemble d'individus. Parce que il y a le crime en dépossession qui s'est opéré. Mes compatriotes d'Algérie, au même titre que moi, même si dans nos cœurs, l'Algérie demeure notre patrie, mais elle ne nous appartient plus. Parce qu'elle est gérée prétendument par un État, lequel État est privatisé. Donc, ça c'est la question du boycott. Ensuite, quand Hussein a introduit ce boycott une et une seule fois, il a donné les résultats qu'il a donnés. Ont-ils été pris en compte? Non. Au contraire, c'est devenu une solution. Je vais présumer que c'était une expérience à vivre, mais à ne plus revivre. Ça, c'est... Aujourd'hui, j'ai appris que la diversion continue. Un intime à moi aurait été convoqué par la gendarmerie de Bab Jdid. À cet intime, il sait ce que je pense. À cet intime, j'ai dit ce que j'ai voulu lui dire il y a plus de 2 mois. Une autre fois, M. Abdelmajid Tebboune est maintenant aux généraux qui s'occupent de la justice et de la répression. Arrêtez de faire de la diversion alors que l'Algérie va dans un gouffre, elle va vers la guerre. Arrêtez d'amuser, arrêtez d'occuper l'opinion publique par les crimes que vous êtes en train de commettre. Envoyez des journalistes en prison. Envoyer des innocents qui ont été manipulés en prison, envoyer des Algériennes et des Algériens en prison parce qu'il a écrit une phrase complètement qui vous paraît débile alors que c'est la vérité, probablement, sur son mur Facebook. Arrêtez ce que vous devriez faire, c'est de dire au président de la France de cesser de vous donner des ordres. C'est de dire aux États-Unis d'Amérique de cesser de vous donner des ordres. C'est de dire à la Russie et à la Chine de cesser de vous menacer. C'est de dire au Royaume-Uni et à l'Union européenne que l'Algérie appartient aux Algériens, quitte à ce qu'ils demeurent pauvres. C'est dans ce sens que ceux qui ont lu la Constitution auront remarqué que la disparition de la gratuité de la santé, c'est une deuxième raison pour rejeter ce texte, pour qu'il soit retiré, ou, à défaut, d'aller vers un vote massif sur ce texte. Je répète mes mots, de voter massivement sur ce texte. Chacun est libre
de se positionner par rapport à ce qu'il a lu dans ce texte, s'il a compris. Tenons les rédacteurs, du moins les rédacteurs, je m'en balance des rédacteurs. La première constitution, la constitution en cours, je l'ai qualifiée de bâtarde. Celle-ci, ils ont prétendu donner les noms de ses rédacteurs. J'ai démontré que les d'inspiration anglo-saxonne, ça c'est la première, New Public Management, trois, qu'elle obéit aux ordres des puissances anglo-saxonnes. Ça, je l'ai démontré à plusieurs reprises, que ce soit par le mot ou par l'écrit. Parmi les juristes algériens, il y a un très célèbre juriste. Ouais, très célèbre. Il est connu actuellement sur la place publique. Il est enseignant dans l'une des facultés d'Alger. Il est enseignant de droit dans l'une des facultés d'Alger. À mes compatriotes d'Algérie, je vous dis à travers ce juriste, de manière très simple, très modeste, très humble, hein, je ne suis pas nombriliste. À ce juriste, je pourrais faire la proposition suivante. Je suis prêt à donner un cours de base élémentaire, ibtidaï, sur les stratégies de vote avec une goutte de mathématiques. Les stratégies de vote avec une goutte, vraiment une goutte de mathématiques dedans. Je vais donner ce cours dans un amphithéâtre d'accès libre. C'est-à-dire, tous les étudiants sont libres de venir dans les limites de capacités de l'amphi ou quelque chose comme ça. Donc, à ce juriste et à ces étudiants de 3e ou 4e année, je vais donner un cours 6 heures non-stop, comme les cours que certains cours que je prenais à l'Université de Montréal. C'est pas soyant de cours avec 3 pauses, un quart d'heure, une demi-heure. Sur les stratégies de vote, à la fin du cours, c'est-à-dire vers la 6e heure du cours, je vais faire un exercice au tableau avec des phrases simples, des chiffres très simples. Je vais faire la démonstration, je vais faire la correction. Et à la fin, complètement à la fin, je redonnerai le même exercice, je dis bien le même exercice avec les mêmes mots, avec les mêmes virgules, les mêmes points-virgules, je changerai un chiffre. Je changerai un chiffre, un et un seul chiffre. Nous allons donner sous forme d'examen anonymisé, c'est-à-dire un examen anonyme à les étudiants. Nous n'allons pas chercher, nous éviterons de... Ils ne mettront pas leur nom et prénom, même lui en tant qu'enseignant. Il ne mettra pas son nom, il mettra un numéro, des numéros distribués aléatoirement. Et nous verrons les résultats. Examen. Je pense qu'avec une correction électronique, correction électronique, hein. C'est-à-dire ce n'est pas un enseignant qui va corriger ou quelque chose comme ça, il y aura une personne qui va introduire le numéro, les résultats intermédiaires pour vérifier que celui qui a fait l'examen a bien compris le cheminement des calculs, et le résultat final. Je mettrai ma main au feu que le lendemain, qu'ils passeront la nuit dans une fièvre, et que le lendemain, ils vont se réveiller avec des vomissements. Et je m'excuse, j'aurais pu utiliser d'autres mots plus cruels. Maintenant, je vais essayer d'expliquer. Je l'ai dit dans le papier. Même les mathématiciens, les génies, les prophètes des mathématiques vont devenir fous dans les équations que pose ce chiffon de constitution. Vous avez dans la constitution la participation à l'intervention de l'armée à l'étranger, vous avez dans la constitution l'absence de la gratuité des soins, vous avez un article sur
l'islam religion d'État, vous avez un autre article sur le droit de propriété. Parce que le droit de propriété tel qu'il a été codifié, tel qu'il a été rédigé dans ce texte, dans ce chiffon, chiffon, c'est un chiffon. J'ai eu de la difficulté à le lire deux fois, trois, je l'ai lu trois fois. J'ai eu des difficultés à tenir. Si les Algériens votent, tous les Algériens votent, tous, 100% vont voter. Et les 100% vont voter, 100% vont voter. Mais 80% des Algériens ont voté parce que l'islam est religion d'État. Donc après, en votant oui, ils vont approuver l'envoi de l'armée à l'étranger. Ils vont accepter que la santé, les soins de santé soient payants. Pour les soins de santé payants, je défie les deux ministres de la Santé de s'opposer. Je me suis adressé à eux de me dire que ce que je dis est faux. Avec la contractualisation de l'acte médical. Je suis au Canada, je suis censé appeler, continuer les manifestations, etc. Non, arrêtez-les. Arrêtez-les, vous êtes intoxiqués. L'Algérie est devenue fragile. Dans la deuxième partie, je vais parler de cette fragilité de l'Algérie d'un point de vue puissance, c'est-à-dire quand je dis puissance, la Chine, la Russie, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, l'Union Européenne, la France et les États-Unis d'Amérique. Vu, même le Canada, vu de cet aspect-là, vu à partir de ces pays, l'Algérie, elle a atteint le fond. Ça y est, hein, vous avez atteint le fond. Donc là, maintenant, nous devons tout faire pour qu'elle remonte. Attends, mes compagnons d'Algérie sont devenus très fragiles. Un exemple très simple. Le budget fédéral de la santé au Canada est de 270 milliards de dollars. Le budget de la santé au Canada. Si tu es assuré au Canada, tu ne payes absolument rien. Et son budget est de budget fédéral pour les soins de santé. Je ne parle pas des autres budgets pour le fonctionnement des structures, de toute l'infrastructure, etc. Ça, ce sont d'autres milliards de dollars. Pour une population moindre que l'Algérie, le dernier examen que j'ai fait, c'était, j'ai des problèmes de cheville, ma cheville me fait mal, bon, mes médecins ont essayé de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, ben, ils n'ont pas trouvé, j'ai une fracture. Mais ils m'ont fait une analyse aux ultrasons de mon sang. La circulation de mon sang, en fait, aux ultrasons. Mais j'ai rien, absolument rien payé. L'autre aspect, voilà, c'est pour les droits de l'homme, je reviens, c'est l'article 211 du Conseil des droits, le Conseil national des droits de l'homme, ça c'est l'article 211. Dans l'article 221 et 223, il est écrit que vous allez trouver aux droits de l'homme et du citoyen. Là, je l'ai retrouvé. Là, donc, j'ai réglé la question des droits de l'homme. Récemment, j'ai lu que le paludisme a fait sa réapparition dans le sud de l'Algérie. Il est temps de se poser des questions maintenant sur le changement climatique et les problèmes de l'eau en Algérie. Est-ce que la réapparition du paludisme est due au changement climatique, au stress hydrique et à l'absence d'une couverture sanitaire ? Parler de la couverture sanitaire uniquement ne sert absolument à rien. Parler du stress hydrique, ça pourrait servir à quelque chose parce que c'est l'hygiène. Parler des changements climatiques, c'est un autre aspect. Ça, le gouvernement, la présidence, les généraux algériens, les députés, etc. Que dalle. En parlant de l'Assemblée nationale, actuellement, vous avez les gouverneurs de la Banque centrale et l'état-major de l'armée qui utilisent les députés, le gouvernement et la présidence pour imposer leur divergence. Ils les imposent.
Ils les imposent. C'est en 2017, durant la campagne électorale pour ces députés-là, c'est l'Assemblée qui a voté les lois les plus criminelles, les plus antipatriotiques, qui relèvent de la trahison. Ce sont eux. Ce qu'ils sont blâmables, ce qu'ils ont peur, ça, ce sont leurs salaires. S'ils ont peur en acceptant un salaire, si leur peur coûte leur salaire, 50 millions de centimes, multiplié par 5 années de députation, etc., vous avez trouvé, ben, avoir peur pour 4 ou 5 milliards de centimes, oui, c'est le prix de la peur. Mais est-ce le prix de la dignité? Le prix de la dignité, vous allez la trouver. Le prix de la dignité, il est chez les pauvres. Nif. Tchirouxa a fini d'aller breven. Là. J'ai fait du journalisme en Algérie quand j'étais en Algérie. J'ai signé des papiers comme journaliste. Que vous subissiez les pressions, je le comprends. Que vous subissiez la peur du chômage, je la comprends. Que vous subissiez la crainte de perdre des amours, surtout les amours. Je la comprends, je vous comprends. Mais le temps révélera des informations qui vous concernent. Et vous serez triste. Et vous serez triste. Et mes compatriotes algériens seront tristes. Mes chers compatriotes d'Algérie, je n'ai pas envie de m'étaler